Depuis l'accord universel sur le climat obtenu lors de la COP21 à Paris, en France, et la tenue de la COP22, appelée COP de l'action, à Marrakech, au Maroc, des stratégies et actions se multiplient pour traduire en actes les retombées de l'accord de Paris. Pour être efficace, obtenir de fonds et financer les projets d'adaptation et d'atténuation, le ministère de l'Environnement et de la Pêche renforce la capacité des négociateurs tchadiens. Il y aura des rappels sur la COP22. Vous savez, au niveau de la COP22, il y a eu énormément d'initiatives que les Africains pourraient, en tout cas, pour lesquelles déjà le Tchad a déjà commencé à bénéficier de ces initiatives-là. Notamment, il y a l'initiative qui consiste à réhabiliter, à restaurer le lac Tchad. Donc, on reviendra vraiment au cours de l'atelier sur tous ces aspects-là qui sont relatifs aux négociations sur le climat et qui sont si importants pour l'Afrique et le Tchad notamment. Le vœu ardent du ministère est de disposer des négociateurs de qualité et de taille pour mieux cerner les procédures de financement. La COP23 qui aura lieu à Bonn en novembre prochain sous la présidence des Fidji va permettre au gouvernement d'avancer clairement sur les règles et mécanismes pour mettre pleinement en œuvre l'accord de Paris. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Environnement et de la Pêche, avec l'appui du projet AMCC, organise cet atelier de renforcement des capacités en négociation internationale sur le climat et de concertation préparatoire à cette COP23. En 4 jours de formation, les cadres et acteurs travaillant dans le domaine de la lutte contre le changement climatique vont être outillés par des consultants rompus à la matière. في إطار مواصلة التنفيذ.